Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler imposture, imposteur, le fameux syndrome de l'imposteur. Et oui, je vous le donne en mille. Ce fameux syndrome dont on souffre très souvent quand on démarre. Alors, si tu n'en souffres pas et que tu démarres, c'est génial, c'est top. Mais malheureusement, très souvent, on se sent pas légitime et on se dit, non, je ne mérite pas de me faire payer tant d'euros la séance photo parce que je débute, parce que ce n'est que moi, que je ne suis personne, que je suis toute petite ou tout petit, et blablabli, et blablabla. C'est dommage parce que ce syndrome de l'imposteur fait que on manque de confiance en soi, qu'on va pas forcément faire les choses, qu'on va peut-être passer à côté de choses importantes. On peut avoir le syndrome de l'imposteur et puis avoir quand même un petit peu confiance en soi. Moi, ça a pu m'arriver peut-être au tout début d'avoir ce syndrome de l'imposteur et de me dire « Ouais, mais non, je vais pas me vendre à tel prix, tu comprends, je démarre. » Ça a été une grosse erreur. Quand on démarre pas au bon prix, on met des années à arriver à ce fameux prix qui va nous permettre de vivre décemment. Voilà. Et ça, donc, c'est une erreur. À partir du moment où l'on a bien travaillé les choses, par exemple par rapport au prix, et ça j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais si on a bien réfléchi au prix, au service que l'on va donner par rapport à ce prix, il y a un prix, voilà, une offre, une demande, une demande, une offre, et bien si tout est en adéquation, pourquoi on demanderait d'être payé 50% moins cher? Tout ça parce que, ouais, mais tu comprends, je suis pas forcément légitime, je n'ai pas fait d'études, je suis totalement autodidacte, etc. Penses-tu qu'un CAP photographie ou je ne sais quoi en photographie te légitimera davantage? Si oui, et dans ces cas-là, fais-le. Si tu crois que c'est ça qui peut t'aider, si psychologiquement ça peut te permettre de ne plus avoir ce syndrome, vas-y, fais-le. En revanche, si tu dis non, ça ne m'apportera pas plus et je pense que j'aurai toujours plus ou moins syndrome, ne le fais pas. Ne pensez pas que c'est un diplôme qui va vous légitimer. À mon sens, le syndrome de l'imposteur, il s'en va petit à petit quand on prend conscience qu'il y a des gens qui sont OK pour nous payer pour ce que l'on fait. Et ce syndrome, il part. OK. Ce couple de mariés a dépensé 5000 euros sur son mariage. Ouais, je suis peut-être pas une imposteur ou un imposteur. Toujours des chiffres comme ça, voilà. Ça peut aider. Et effectivement, plus on va travailler et moins on l'aura. Au début, c'est normal. Mais à mon sens, pour l'éviter, je ne sais pas, après j'ai pas de recette miracle, mais pour l'éviter, eh bien il faut en parler, il faut parler autour de vous, il faut vous entourer de collègues photographes autour de vous ou pas, mais parler. Et ça revient aussi avec la vidéo sur la confiance en soi. N'hésitez pas à montrer votre travail avant de rendre une galerie à vos clients. N'hésitez pas à envoyer cette galerie peut-être à vos copains et vos copines photographes pour qu'ils vous disent « Allez, détends-toi, ce que t'as fait, c'est bien. » Et ça, ça fait du bien parce qu'on sait que le regard est critique, le regard est acéré, ce sont des collègues qui vous parlent. Et que les attentes d'un collègue photographe ne sont pas les attentes de monsieur et madame tout le monde, bien évidemment. Soyez doux avec vous-même. Le syndrome de l'imposteur, on l'a au début. Et je pense sincèrement qu'à terme, il part. Parce que on prend confiance en soi, parce qu'on se dit « je vis de la photographie, donc s'il y a des gens qui sont OK pour me payer tel ou tel prix, c'est que je fais pas n'importe quoi. » Au-delà du travail photographique. Alors, je pense quand même que pour vous aider aussi au quotidien, pour pas vous sentir un imposteur dans votre métier, dans ce que vous faites, ayez un cadre, vraiment quelque chose d'hyper bordé avec tous vos process de travail. Que tout soit indiqué, qu'il n'y ait pas de hasard à tout ce que vous faites, que vous envoyez le contrat à tel moment, qu'après vous faites ceci, après vous faites cela, qu'il y a un rendez-vous de préparation au téléphone, ou qu'il y a un mail de préparation, ou qu'il y a une brochure pour expliquer aux gens comment va se passer la séance, etc., etc. Plus vous allez mettre aussi ce genre de process en place, et plus ça va vous aider. Parce que vous allez vous dire, mais je fais bien les choses. Les gens me payent, mais le service, il est là. Et si à un moment, ce syndrome de l'imposteur, il persiste,
peut-être se poser des questions dans ce cas-là. Et peut-être qu'effectivement, bah, t'en es un, quoi. Et qu'au final, ton travail n'est pas à la hauteur. Alors peut-être que le travail photographique est à la hauteur, mais pas le service. On revoit les choses. Et si vraiment ça persiste, malgré tout, bon, à un moment, c'est peut-être un petit peu... C'est là où Amélie va annoncer que bah là, c'est pathologique et qu'il faut t'enfermer. Non, mais tu vois le truc. À un moment, il faut aussi la confiance en soi. Elle s'acquiert grâce aux autres, mais c'est un gros travail sur soi. Et ce travail sur soi, il n'y a que toi qui peux le faire. Et on aura beau te dire, écoute, tu travailles super bien, c'est super ce que tu fais. Si toi, tu ne veux pas l'entendre, tu ne l'entendras pas. Maintenant, il faut s'ouvrir à ça, faut s'ouvrir aux compliments aussi, il faut entendre les critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Voilà, j'espère avoir pu t'aider avec cette nouvelle vidéo du mardi soir. Je ne l'ai pas demandé en début de vidéo, et donc du coup, forcément, vous ne l'aurez pas fait, mais je vous en supplie. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez et likez, c'est tellement encourageant. Tous les jours, vous m'envoyez des messages en me disant des messages vocaux ou des messages privés sur Insta ou sur Facebook en me disant « Ah, oh, j'ose pas mettre et tout des commentaires. » Mais si, fais-le. Ça me fait tellement du bien. Voilà, c'est ma petite rémunération, vos commentaires et vos messages. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.